Bonjour. Étape 3, on est défoncé. On a passé une nuit de merde. Il a fait froid. Il a fait froid. On pue. On n'a pas mis d'alarme, on sait pas quelle heure il est. Et l'étape s'annonce longue, donc ça va être compliqué. Il veut mourir. Mais Ricardo, il veut pas se lever. Là, on part du campement. On a de la chance parce que il pleuvait pas quand on a démonté la tente. Et là, pour l'instant, ça se présente bien la météo. La nuit a été très compliquée. On a tous nos vêtements qui sont trempés puisque ça sèche pas. Donc et avec un matelas à 0 degré, on a eu bien froid quand même. 5 minutes plus tard, il pleut. Donc je retire ce que j'ai dit, il va pas faire beau aujourd'hui. Voilà, on part, c'est 7h50. Pluie, maintenant la grêle. Voilà, on est au top. C'est comme ça, hein. C'est l'aventure, c'est la surprise du temps. Voilà. Moi, dans ma tente, j'étais avec envie de vomir, tout ça, parce que j'ai mangé un sandwich tout seul. Mais ça m'aurait tourné avec le froid. Et je me suis rendu compte que j'ai acheté une tente pour l'été, pas pour le froid. Alors je m'en veux un peu, parce que normalement je regarde ça. On souffle, on se mord bien. On n'est pas les seuls fous sur le West Highland Way. Il y a d'autres randonneurs. Arrivé à Tindrome, nous décidons de faire une pause dans un restaurant. On vient de passer sous la voie ferrée, on est ici,
Donc on va continuer comme ça jusqu'à Bridge of Orchi. Et on va sûrement continuer pour après trouver un lieu de bivouac. On dit que depuis qu'on est parti, on a un bon rythme. Oui. Mais tu filmes ? Oui. Voilà l'équipe au choc. Là, on a voilà. Doublé une touriste. Là. Une lyonnaise, là. Quoi ? Elle s'est perdue, je pense. Alors, selon Christelle, nous allons croiser des cochons. Alors... Il n'y a pas trop des cochons, hein. Nous sommes d'accord, hein. Alors Christelle, est-ce que c'est des cochons? Des pics d'Écosse. C'est un bon, oui. Merci. C'est une bonne, elle. Ça dépend quelle heure il est, mais si on peut se boire un coca, on le boit en 20 minutes max, et on repart. Ben, on va voir, mais... parce que là, il fait jour, quoi, hein, si on peut planter la tente. Voilà, c'est tout. Allez, allez, hop, hop, hop. Voilà, l'emplacement des tentes va se faire ici. La nôtre sera là, et celle de Ricardo en haut. Voilà, vu qu'il ronfle, on le met loin. Dis bonne nuit. Bonne nuit. Non mais fais un coucou. Ah, coucou, bonne nuit. Bonne nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Marseille Provence Productions. Merci.